Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore les élections. Oui, nous allons y revenir. Y revenir pour souffler un petit mot à nos téléspectateurs qui voudraient bien et qui souhaitent aller voter. Je présente mes invités tout de suite. Monsieur Bouenigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur. Très heureux de vous retrouver, comme toujours, dans cette émission. À notre invité, monsieur l'abbé Poundou, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Jean-Pierre. Monsieur l'abbé Poundou, c'est vous qui me souffliez avant de venir, avec à propos d'ailleurs, qu'avant même d'aller aux élections, peut-être faudrait-il que les téléspectateurs et nous puissions dresser le portrait robot du pays dans lequel nous souhaiterions vivre. Parce qu'à ce moment-là, nous choisirions des personnes véritablement qui nous conduiraient vers ce portrait robot. Dans quel pays souhaiteriez vous vivre? Vous avez effectué de nombreux voyages. Allez. Bien, merci beaucoup pour la question. Difficile quand même. Il est important de dire ceci. Qui parle des élections parle de choix. Parce que le mot élection vient du latin eligere, qui se traduit en français par choisir. Et élection vient de electum. C'est electum qui a donné élection en français. Et donc, je voudrais situer le choix du pays dans lequel on veut vivre comme étant l'élection fondamentale. Celle qui va conditionner l'élection des personnes. D'accord. Quel Alors, pays? Maintenant, si on me pose la question comme tu la poses. Oui, je l'ai déjà quel posé. Quel est le pays que je choisis? Oui. Quel est le pays dans lequel je choisis de vivre? Eh bien, je vais dire un pays qui est bâti sur le primat de l'être. Très bien. Et cela, ça signifie un pays qui est bâti sur des valeurs humaines que je considérerais comme fondamentales, essentielles et même universelles. Et je retiens parmi ces valeurs quatre avec leur corollaire, je dirais un pays d'égalité. Un pays d'égalité signifie un pays où nous sommes tous égaux. Nous avons tous, on nous donne tous les mêmes chances. Un pays égalitaire, c'est un pays où nous nous considérons tous comme venant d'un même père, en quelque sorte, n'est-ce pas? Et ce pays égalitaire, eh bien, c'est un pays où on respecte l'homme dans l'absolu. L'égalité suppose le respect de l'homme, de tout homme, dans l'absolu. Et le deuxième élément, la deuxième valeur, c'est la valeur de la participation. Un pays où tout le monde prend part. Un pays où il n'y a pas des spectateurs d'un côté et des acteurs de l'autre. Un pays où nous mettons tous la main dans la pâte. Un pays où on est responsable. Qui dit participation, dit responsable, donc capacité de répondre de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas troisième, fait. Et troisième qualité ou élément qui fonde ce pays, c'est la liberté. Un pays de liberté. Liberté vis-à-vis de l'avoir, liberté vis-à-vis du pouvoir, liberté vis-à-vis de la gloire, la liberté pour faire le bien. C'est ce pays-là dans lequel je voudrais vivre, parce que si nous voulons être libres, il nous faut nécessairement être dans la vérité. Et c'est la vérité qui nous rend libres. Quatrième. Et enfin, la quatrième valeur, hein, qui serait comme le fondement, un des fondements de ce pays que je choisis, ben, que je ne choisis pas, mais que je veux construire. Parce que je fais le choix de ce pays, mais je sais qu'il n'existe pas encore, et donc je dois le créer, je dois le bâtir avec les autres, bien entendu. C'est la valeur de la justice. Et ici, j'aime préciser toujours, pas n'importe quelle justice, c'est la justice miséricorde. Et
Bon, à chacun de penser ce qu'il veut. Mais quand je parle de la justice miséricorde, c'est cette justice qui détruit le mal, qui s'attaque au mal, mais qui sauve le malfaiteur, qui donne la chance. Merci, monsieur l'abbé. Et enfin, cette justice, c'est elle qui va engendrer la vraie paix. Et lorsqu'on parle de la paix, eh bien, on ne peut pas avoir la paix sans justice miséricorde. Une justice miséricorde qui sauve l'homme, qui sauve le malfaiteur et qui est une condition sine qua non pour avoir la paix intérieure dans chaque homme et la paix sociale. Très bien. Le pays dans lequel je voudrais vivre et que je choisis de vivre, que je choisis et que pour lequel je m'engage, n'est-ce pas, dans son avènement. Un pays où on est discipliné quand celui qui mène le bateau vous enlève la parole. Vous la lui restituez. Voilà. C'est juste pour vous taquiner. Mais monsieur l'abbé. Eh, pardon. Monique. Mais oui, mais quand on parle de miséricorde, je vous dis quoi. Bon. Monique, d'accord avec ce que vient de dire monsieur l'abbé. Oui, je mets l'accent sur le statut de patron qu'il faut redonner au peuple. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est devenu un faire-valoir. On dit non, mais vous savez, le peuple... Mais en réalité, le peuple n'est pas le patron. Aujourd'hui, le peuple n'est pas le patron. Et malheureusement, le peuple n'a pas encore pris conscience que c'est effectivement lui qui doit dicter la ligne à suivre. Et naturellement, comme aujourd'hui dans l'organisation qu'on nous a donnée, que nous avons adopté aveuglement. Nous n'avons pas compris que le fait de ne pas organiser le peuple pour le rendre effectivement exigeant, parce que c'est quand il est exigeant qu'il impose ses attentes et ses volontés. Aussi longtemps qu'on n'aura pas organisé le peuple de manière à le rendre effectivement le patron qui oriente, qui dicte et qui choisit naturellement les hommes et les femmes qui vont porter ses ambitions, qui vont porter ses attentes, à ce moment-là, le peuple continue à être juste un faire-valoir. Mm-hmm. Donc c'est ça aussi qu'il faut changer. Qu'est-ce que vous voulez dire par organiser justement le peuple pour qu'il soit véritablement le patron? Eh bien, concrètement, cela veut dire que devant l'urne, c'est devant l'urne que le peuple se révèle effectivement son vrai statut. Si il choisit des hommes et des femmes qui vont continuer à le martyriser, à le maltraiter, c'est que il n'a pas compris. Il n'est pas patron. Il n'est pas patron de sa vie. Il n'est pas patron de sa vie. Donc, c'est devant l'urne qu'il faut faire en sorte que le détenteur d'une voix, lorsqu'il se présente devant l'urne, qu'il prenne conscience qu'effectivement, le sort de son pays, son sort à lui, se joue là. Lorsqu'il n'est pas capable de prendre conscience de cela, celui-là est un acteur qu'il faut, en quelque sorte, mettre sur la touche parce qu'il fausse les jeux. Mmh. Très bien. Il fausse les jeux électoraux parce qu'il risque de porter son choix de façon irresponsable sur quelqu'un. Et s'ils sont nombreux, comme c'est le cas chez nous, ils sont majoritaires, eh bien, les choix qui sortent des urnes deviennent des choix biaisés. Très bien. Je demande au peuple, à ceux qui nous suivent, est-ce que vous vous sentez être véritablement des patrons? Est-ce que yon andeng yon vandi wana na salon au kanisike yon de osa patron na lere ba élection yon de okopona ba oyo ba pour diriger biso et moi on est kalapal on est kokopal. Est-ce que ou qu'on a dit sentir que wendjo patron ma élection wendjo ta où tu as choisi, tu vois que le soir est de plus compliqué. Est-ce que Wendjo patron Kabisa Wainchi, Kama Oudjou et Ville Inchi Aitaenda Mbadi? C'est-à-dire en réalité, quelqu'un qui veut fausser le jeu, c'est aussi celui qui vient avec des t-shirts qui croit vous amadouer. Mais vous n'êtes plus amadouable. Avec tout ce que nous administrons comme leçon, refuser d'être amadouable. À la limite, je rêverais de me trouver devant une population
quand on veut donner de la distraction, il dirait, nous, on ne prend pas ça. Dites-nous ce que vous ferez pour que notre pays ne soit plus la risée. N'est-ce pas, monsieur? Absolument. Il est temps que les élections, d'abord, cessent d'être une parodie. Ça, c'est le grand problème, à mon avis. Que les élections dans notre pays et dans nos pays africains, du tiers-monde en général, cessent d'être une parodie, c'est-à-dire des semblants, où on fait croire aux gens, au peuple, qu'il est détenteur du pouvoir, on fait croire aux gens, au peuple, qu'il est le patron, mais en réalité, il ne l'est pas. Et quand bien même il serait exigeant, hein, il serait conscient de son statut, sa fonction de patron, mais s'il ignore qu'il y a un autre patron au-dessus de lui, n'est-ce pas, derrière lui, qui est caché là, n'est-ce pas, et qui tire les ficelles, et qui fait en sorte que ton choix, toi le patron, le vrai, hein, le peuple qui devrait être le vrai patron, ton choix n'est pas pris en compte. Tu vas aux urnes, tu choisis un tel et tu te dis, je le choisis parce qu'il a un programme, parce qu'il a un projet, parce qu'il a une vision, parce qu'il a des qualités qui correspondent, disons, à la fonction que nous voulons lui confier. Il a le profil du métier, n'est-ce pas? Eh bien, tu fais ce choix-là. Mais quand derrière toi, il y a ce tireur de ficelle, ce qu'on appelle les faiseurs de roi, n'est-ce pas, a déjà choisi quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, et qui ne respecte pas ton choix, et qu'au moment de la proclamation des résultats, ce n'est pas ton choix qu'on va proclamer, mais c'est le choix qui a été fait ailleurs, par quelqu'un d'autre, par un autre, une puissance étrangère. Eh bien, en ce moment-là, le problème demeure. Et donc, à mon avis, je ne cesserai de le répéter, nous devons d'abord et avant tout nous battre pour notre vraie souveraineté. On nous a dit, il n'y a pas longtemps, nous avons entendu, on nous a dit, on n'est plus dans une colonie politique, la colonisation politique, s'est achevée avec les indépendants, ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'elle continue, cette colonisation politique, sous une autre forme, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes dans une colonisation économique. Mais cela est compréhensible. Lorsque l'on relit l'histoire, on se rend compte que après la table ronde politique de Bruxelles, n'est-ce pas, eh bien, il y a une table ronde économique à laquelle nos pères de l'indépendance n'ont pas participé. Ils ont envoyé des sous-fifres. Les étudiants là, à l'époque. Oui, or c'est là où tout s'est décidé finalement. Voilà. Et que cette colonisation économique qui conditionne la colonisation politique, n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom, n'est-ce pas, eh bien, c'est cela le combat que nous devons mener, sortir de cette colonisation, sortir de cette dépendance pour devenir un véritable pays indépendant. Sinon, à quoi servent les élections? Voilà. Est-ce que tout ce que nous sommes en train de dire est faisable lorsque la population est pauvre? Est-ce que si nous sommes dans des conditions lamentables, nous pouvons avoir ce sursaut, ce patron qui est devant nous, si il n'a pas le minimum, est-ce qu'il peut agir comme nous? Mais parce que justement, le drame, c'est qu'il n'arrivera jamais à avoir le minimum pour pouvoir enfin se dire, je me libère. Mm-hmm. Sa situation ne fera qu'empirer. Donc si on attend qu'il puisse avoir le minimum, parce qu'on dit qu'en dessous de la ceinture, il n'y a plus de vertu, mm-hmm, eh bien, on risque de ne jamais avoir ce moment où il pourra se dire, tiens, maintenant, comme j'ai bien mangé, mm-hmm, je vais un peu voir comment ça se passe en politique. Non. Mm-hmm. Donc, il faut commencer aujourd'hui. C'est maintenant ou jamais. Mm-hmm. Parce que justement, plus on attend, plus ça devient de plus en plus difficile. Il faut, comme disait M. Labbé, montrer que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre sur plusieurs fronts. Il y a le front le plus dur, c'est le front au niveau national et international. Parce que c'est là où nous devons choisir les meilleurs d'entre nous pour porter la voix du Congo
à l'extérieur, mais aussi avoir cette vision d'ensemble du Congo, de ne plus voir le Congo par rapport à la province d'où l'on vient, ou par rapport à l'aire géographique à laquelle on appartient, etc., de voir le Congo comme un tout. Donc nous devons nous assurer que nos élus, à ce niveau, sont tous des hommes et des femmes qui ont le Congo dans la tête comme leur village. C'est ça leur village. Donc on ne peut plus dire, mais oui, mais moi, chez moi, c'est... Chez toi, c'est où? Chez toi, c'est tout le Congo. Donc, nous devons nous assurer que tous nos élus, au niveau national, ont cette vision-là. Parce que c'est eux, par rapport au monde extérieur, qui vont montrer au monde qu'effectivement, les choses ont changé ici. Est-ce qu'ils vont porter un discours tellement droit, tellement radical par rapport à la situation actuelle, que tout le monde va se rendre compte que les choses ont changé dans ce pays-là? Il y a le front provincial. Le front provincial, on voit tout de suite le piège tribal. Il est là aussi au niveau national. Là, c'est, je le disais, c'est par rapport à la province d'où l'on vient, ou à la communauté linguistique à laquelle on appartient, etc. Mais au niveau provincial, c'est la tribu, au sens banal du terme. Dans chacune de nos provinces, il y a plusieurs tribus. Donc il faut éviter de tomber dans le piège tribal lorsqu'il s'agit de choisir les hommes et les femmes pour diriger la province. Ça doit tous être des gens qui ont effectivement aussi la province comme entité sur laquelle ils doivent travailler et de laquelle ils doivent répondre auprès des électeurs. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, vous vous rendez compte que, au niveau de la province, chaque tribu a ses partis, trois ou quatre ou plusieurs même. Et parce qu'ils n'ont pas intériorisé le fait que le développement de la province, c'est la mission qu'ils ont. Il ne s'agit pas d'arriver à la tête d'une province pour commencer à dire, bon, nous, la tribu telle, nous devons avoir nos frères partout, etc. Les autres, ils attendront leur tour. C'est ça le langage qu'on entend aujourd'hui. Donc, ce front-là, si nous voulons gagner, il faut que le profil de l'électeur soit celui qui peut suivre son élu à distance. Son élu est à l'Assemblée provinciale là-bas, ou bien il est ministre, il fait une déclaration. Il fait une déclaration qui ne correspond pas aux attentes et aux discours qu'il avait développés pendant la campagne. Il dit qu'il y a un problème là. Il peut tout de suite lui envoyer un SMS, dire « Mais je viens de vous suivre dans une émission ou dans une ceci, ce que vous dites là, ce n'est pas ça. » Le fait de savoir qu'à tout moment, peut être interpellé, le pousse à ne plus faire n'importe quoi. Et donc, il faut des électeurs de cet acabit pour choisir, contrôler et sanctionner conséquemment les élus au niveau provincial. Et enfin, le niveau le plus important, le front local, c'est là où le développement commence. Et donc là, nous devons être tranquilles parce que tous les électeurs sont des bons électeurs au niveau local. Personne ne choisira un voyou parce qu'il lui a donné un t-shirt ou une bière. Personne. Parce que les gens se connaissent dans le milieu, ils savent qui est qui. Et ce sont certainement les gens de valeur, les hommes et les femmes de valeur, qui vont émerger et qui vont diriger nos entités locales. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on n'organise jamais les élections locales chez nous. Peut-être. Monsieur le maire. Je crois que Modeste a fait une chute. A ouvert plutôt une voie qui nous conduit à parler de l'évaluation des élections dans notre pays. Vous voyez, nous avons connu les premières élections en 1958. Oui. C'était des élections municipales locales, n'est-ce pas? Et ces élections qui se sont limitées à trois provinces de l'époque, Léopoldville, Elisabethville, qui est Lubumbashi, et Jadotville, qui est Likasi, Léopoldville, qui est Kinshasa. Eh bien, à l'époque, on a fait une sorte de ballon d'essai, n'est-ce pas? Et on a choisi des bourgmestres. On a choisi des bourgmestres. Et nous savons dans l'histoire que
Joseph Kasavubu avait été choisi bourgmestre de la commune qui s'appelait la commune de Dendal, hein, qui aujourd'hui porte le nom de Kasavubu, qui en fut le premier bourgmestre, n'est-ce pas? Eh bien, depuis que nous avons eu ces élections municipales, n'est-ce pas, en 1958, combien d'élections municipales avons-nous encore eues? Pourquoi on en a peur? Et pourquoi on n'a pas eu des élections municipales locales? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas compris que la démocratie ne se bâtit pas comme une maison en commençant par la toiture. Une maison, on la bâtit en commençant par la fondation. Et les élections locales et municipales, c'est la fondation même. D'où nous remarquons, sous d'autres cieux, ceux qui arrivent à accéder aux fonctions éminemment supérieures, donc fonctions de direction au sommet de l'État, ont commencé par être au niveau local. Mm-hmm. Ils ont été bourgmestres, ils ont été maires, ils ont été préparés à assumer les fonctions de direction des hommes, de gestion des hommes et des biens et des êtres humains au niveau le plus bas. Aujourd'hui, le problème est clair, c'est que on ne veut pas d'élections municipales et locales parce que les élections municipales et locales donnent aux élus au niveau supérieur une base. Or, aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont au sommet de l'État n'ont pas de base. N'ont pas de base. Et alors, ce qui fait qu'on achète la base avec des t-shirts, avec de la bière, avec ceci ou avec cela, on achète la base. On s'en retourne dans sa province pour facilement parler en langue. Et on achète la base, n'est-ce pas? On n'a pas une base idéologique. On n'a pas une base idéologique. On a une base opportuniste qui fait qu'aujourd'hui, on t'applaudit, toi, modeste, et les mêmes qui t'ont applaudi aujourd'hui, demain, il ne faut même pas attendre demain. Ils t'ont applaudi le matin, l'après-midi ou le soir. Ils vont applaudir Jean-Pierre. Ils vont te jeter des pierres à toi. Eh bien, ça, ce n'est pas une base idéologique. C'est une base opportuniste. Parce qu'on t'a donné des sous, on t'a donné 1000 francs, on t'a donné 500 francs. Eh bien, tu m'applaudis, n'est-ce pas? Et l'autre qui viendra te donne 2000 francs. Eh bien, tu ne me reconnais plus. Tu applaudis celui qui t'a donné 2000 francs. Et avec ça, où est-ce que nous allons nulle part. Vous avez complètement raison. Je crois qu'on a tapé là sur les électeurs de demain. Je crois qu'ils ont bien compris que si la campagne électorale est faite pour s'amuser un peu, pourquoi pas, prenons un verre. Mais écoutons le discours. L'important, c'est le discours. Si quelqu'un vous dit je vais au député national pour venir vous construire des routes ici, c'est qu'il n'a absolument rien compris. Donc, écoutez le discours et préparez les questions pour vraiment le mettre à genoux. Ah bon, vous allez aux élections, à la députation nationale, pour venir nous construire des routes ici. C'est ça, ça s'arrête là. Alors, gêné, je crois qu'il ne terminera même pas ce discours. Il va prendre ses bières, ou de toute façon, il ne les prendra plus parce qu'ils seront pris en otage. Modeste Bonigaba, on évolue. Oui, le fait de chercher à aller en profondeur, parce que l'émission s'appelle Profondeur, de cette question, nous amène inévitablement à parler du multipartisme, la version congolaise ou tropicale. Ben, manifestement, on est passé à côté. Parce qu'il n'a jamais été dit que le fait de dire que c'est intégral, parce qu'on avait dit multipartisme intégral, ça voudrait dire qu'on peut en créer, en veux-tu, en voilà. Voilà. Et effectivement, les gens se sont donnés à cœur joie. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 1000 partis. Voilà. Hein, et ça continue parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà en train de créer des partis. Ça montre manifestement qu'on est à côté de la plaque. Parce que, logiquement, ça devrait être que les gens cherchent à se regrouper par idéologie. Oui. Dire voilà, si nous prenons le pouvoir,
nous allons mettre l'accent, par exemple, sur l'écologie. Eh bien, regroupons-nous, nous tous qui voyons que l'écologie est vraiment le problème de base pour notre redressement. Ben, on va certainement trouver beaucoup de gens qui vont adhérer à cette idée. Et même dans nos villages, on va montrer que les érosions, c'est tout ça parce qu'on n'a pas encore eu un gouvernement qui s'occupe de façon sérieuse de ce problème-là. Donc, on risque de vraiment drainer beaucoup de monde. Alors, à ce moment-là, vous dites qu'une fois que nous serons au pouvoir, c'est-à-dire voilà ce que nous aurons notre majorité parlementaire, et donc le gouvernement sera notre émanation, voici les choses que nous allons faire. Là, vous pouvez parler de route parce que vous avez un programme, oui, si vous êtes porté au pouvoir. Mais pas que un simple député qui vient d'un parti où il est le seul là-bas, bon, comment il va faire? Il faut arriver à l'Assemblée. Donc un problème d'idéologie, un problème de... Le projet gouvernemental, vous n'allez pas le porter seul en tant que député. Quand même. Donc manifestement, nous sommes complètement à côté. Et donc, on doit suivre un peu ceux qui disent qu'il faut faire une pause pour qu'on se pose des questions de fond, qu'on se demande, mais 62 ans après l'indépendance, sous la colonisation économique... Vous voyez ce que ça nous a donné. Manifestement, nous devons changer les fusils d'épaule. Mais personne, je ne dis pas personne, mais ceux qui sont aux commandes, ça ne les intéresse pas. Pas encore. Et ils veulent seulement continuer, comme disait l'autre, parce qu'ils sont à la mangeoire. Et bien, il faut qu'ils restent là le plus longtemps possible. Mais le pays, lui, ne trouve pas son compte. Non, il se meurt. Il se meurt. Et c'est vrai, c'est vrai qu'il faut changer la donne. On ne peut pas continuer comme ça et croire qu'on vivra dans le pays dont rêve Monsieur l'abbé, avec raison, pays de justice, rappelez-moi, de liberté, pays de participation et d'égalité. Mais non. Donc si nous voulons vivre vraiment dans ce pays qui marche sur des roulettes, il va falloir que nous puissions, nous qui sommes électeurs, regarder par deux fois la personne que nous allons élire. C'est fini le folklore. Le folklore, c'est vraiment fini. Même les élections locales. Mais si vous savez que votre propre frère ne va pas réussir, et vous l'élisez, vous vous condamnez vous-même à la mort, mort certaine. N'est-ce pas, monsieur l'abbé? Absolument. Absolument. Il est temps qu'on arrête ce type d'élection. Et pour ma part, je crois qu'il est temps qu'on puisse faire une pause. Une pause, ça ne veut pas dire que nous sommes contre les élections. Il y en a qui disent, nous devons aller aux élections, il faut absolument aller aux élections, nous ne devons pas, pas de glissement dans les délais constitutionnels et tout ça. On entend tout ça, on entend tout cela. Je vous pose une question. Alors cette pause, elle se ferait comment? Ben, elle se ferait que, eh bien, nous nous mettrons sous l'arbre à palabre, comme j'aime à le dire, autour d'une table, je préfère l'expression sous l'arbre à palabre, où nous allons nous poser la question de savoir où nous ont amené les élections jusque-là. Depuis que nous les faisons, depuis 58, et en 60, on a eu des élections au niveau du suffrage universel indirect qui ont permis que nous ayons le premier président. Où est-ce que ces élections nous ont conduits aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que ça nous a donné en termes de développement, en termes de progrès social, en termes de bien-être? Bref, de bénéfices. De bénéfices, n'est-ce pas? Où est-ce que ça nous a conduits? Lorsque nous voyons pertinemment bien que ces élections ont conduit plutôt à la division et au chaos. La division parce que, eh bien, nous ne sommes plus capables d'être un peuple uni. Malgré ce que nous chantons dans notre hymne national, peuple uni, uni dans les sorts, par le sort, uni par l'effort, dans l'effort, eh bien, nous ne sommes plus...
peuple uni, n'est-ce pas? Et le chaos, eh bien, nous l'avons vu, la plupart des élections que nous avons connues, surtout depuis 2006, n'est-ce pas, où on essaie de nous faire croire que ce sont les premières élections libres, démocratiques, etc., etc. Eh bien, qu'est-ce que nous n'avons pas vécu comme chaos? Chaos en termes de violence. Violence avant les élections, violence pendant les élections et violence après les élections. Est-ce que c'est cela que nous devons continuer à vivre? Et cette division qui fait qu'on n'est plus capable de se considérer comme un peuple. On est devenu le peuple de la faction, des factions. Mm-hmm. On est devenu des factions. La faction d'un tel, la faction d'un... On ne se réclame plus du Congo. On commence à se réclamer d'un tel ou d'un tel. N'est-ce pas? Eh bien, moi je crois que cette pause dont je parle est... à mon avis, indispensable. Concrètement, Modeste Bonigaba, allez, les élections, bon. Alors, cette pause se ferait à quel moment? Là, nous sommes mal barrés, non? Oui, ça veut dire que là, nous ne devons pas considérer que tout va s'arrêter. Mm-hmm. Le pays doit continuer à tourner. C'est un quoi, palabre. Au rythme, quand comme c'est le cas. Mais il faut qu'on puisse réfléchir sur, déjà, le profil des personnes qu'il faut convoquer à cette rencontre. Mmh. Parce que si vous y amenez ceux qui pensent aux prochaines élections, ben vous passez à côté. Oui. Il faut amener ceux qui pensent aux prochaines générations. Ceux-là qui, justement, eux, voient le Congo d'abord. Il faut les sélectionner. Ils n'iront pas là avec des partis pris. Ils n'iront pas là avec l'idée de soutenir tel ou tel, parce que, justement... Il s'agit de mettre fin au système actuel et dire, voilà, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché jusque maintenant? C'est parce que, entre autres, on a personnalisé les choses. On n'a pas vu que le Congo devait être notre dénominateur commun qui doit nous faire oublier toutes les divisions possibles, tous les clivages imaginables. Lorsqu'il s'agit du Congo, nous devons être tous capables de dire... On met de côté les petites querelles de tous les jours. Il s'agit de sauver d'abord le Congo. Et puis c'est curieux quand même que ces élections soient réclamées sur tout l'extérieur. Attention, les élections, nous sommes prêts à vous aider. C'est quand même, nous ne sommes pas des enfants, toutes deux enfants quand même, non? C'est justement là où nous avons la démonstration la plus claire et nette de notre dépendance et de notre manque de souveraineté et du fait que nous n'existons pas comme État-nation, n'est-ce pas? Nous n'existons que comme une sorte d'appendice des autres, n'est-ce pas? Je suis révolté lorsque j'entends l'Union européenne réclame de venir observer nos élections. Les États-Unis disent qu'il faut absolument les élections, ils ne toléreront pas qu'il n'y ait pas d'élections et tout cela. Fine et finalité, n'est-ce pas finalement ceux-là qui nous dirigent? Où est-ce qu'on a vu cela? Nous avons vécu en Europe, nous avons vécu à l'étranger, j'ai vécu en Belgique. J'ai jamais entendu un seul jour, à l'époque du Zaïre, les Zaïrois ou le gouvernement Zaïrois dire aux Belges ou à leur gouvernement, eh bien, nous tenons à ce que vous ayez des élections dans les délais constitutionnels et tout ça. J'ai jamais vu un seul jour l'ambassadeur du Zaïre en Belgique convoquer des Belges pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Jamais vu, n'est-ce pas? Or, chez nous, fine et finalitaire, ça dépend de nous. Et j'ose dire, en reprenant l'image que le pape a eue, en disant, il a demandé aux maîtres du monde, en quelque sorte, de retirer leurs mains du Congo, de la RDC, de l'Afrique, eh bien moi je dirais, Africains, Congolais, dégageons-nous de leurs mains. Parce qu'eux n'ont aucun intérêt à retirer leurs mains. Leurs intérêts sont tels chez nous en Afrique que ce sont eux qui ont besoin de nous et pas nous d'eux. Vous voyez? Alors, ce qui fait que tant qu'ils ont besoin de nous, eh bien, ils mettront leurs mains sur nous, c'est-à-dire sur nos richesses du sol et du sous-sol,
et ne nous considérons pas comme des êtres humains, eh bien, c'est à nous qu'il appartient de nous dégager. Et ce n'est pas Pharaon qui a laissé partir le peuple hébreu. C'est le peuple hébreu qui est sorti de l'Égypte. Tout à fait. Et donc, ce n'est pas au maître du monde à nous laisser tranquilles, rêver qu'ils vont nous donner l'indépendance, la souveraineté, la liberté, l'autonomie. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. Et à un moment donné, je crois, comme Lumumba l'a dit dans son discours qui lui a valu la mort, n'est-ce pas, eh bien, l'indépendance ne se donne pas, elle se conquiert au prix de nos vies, au prix de nos sacrifices, hein, même du sacrifice de notre être. Et c'est là où je rejoins un peu ce que Modeste a dit tout à l'heure. Il est important que nous arrêtions de penser individu, de penser tel ou tel. Ces histoires d'autorité morale, ces histoires d'autorité politique, autorité machin truc, ça doit finir. La seule autorité, c'est le Congo. N'est-ce pas? Et que tous nous mettons à porter le Congo et pas à porter un individu. Les individus passent, mais le Congo restera. Alors, quel est le Congo que nous voulons, n'est-ce pas? Lorsque nous savons que nous sommes en train de porter des individus qui, par ailleurs, sont là beaucoup plus pour leurs intérêts personnels, pour leur ventre, et le terme mangeoire est très clair à ce sujet, n'est-ce pas? Et pour manger, n'est-ce pas? Et le Congo, il n'a aucune place dans le cœur de la plupart. Alors, arrêtons, mettons un stop, faisons halte, n'est-ce pas, et posons-nous des questions. D'où venons-nous? Qu'avons-nous fait du Congo? C'est une question fondamentale. Hein? Quel est le Congo dont nous rêvons, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, j'ai exprimé le Congo de mes rêves. Mm-hmm. Eh bien, que chacun de nous exprime le Congo de ses rêves. Mettons ces rêves ensemble pour n'avoir qu'un seul rêve, n'est-ce pas? Et puis, après, on peut se poser maintenant la question, qu'allons-nous faire ensemble, chacun individuellement, et puis ensemble... Qui est en mesure maintenant de... Qui sont en mesure voilà, de... Voilà, de porter ce projet... Et pour ça, il faut un profil. Oui. Il faut un profil. Avec des qualités humaines, qualités de compétences, n'est-ce pas, qualités morales, éthiques, n'est-ce pas, qualités de cœur. Nous devons porter le Congo dans nos cœurs et dans notre esprit et plus porter des personnes qui passent. Après cette homélie, brillant par ailleurs, c'est une homélie. Bon. Je crois que... Une exhortation. Oui, ce qui nous reste à faire, c'est véritablement de mettre ça dans nos têtes. Que ça dépend finalement de nous. Ça dépend de nous. Nous choisirons les personnes que nous aurons vues à l'œuvre ou qui nous donneront les discours ou le discours que nous attendons. Ce n'est pas une blague. Les élections, ce n'est pas une blague. Parce que c'est ce choix-là qui conditionne notre avenir. Et, disait Modinga, c'est ceux qui tiennent la main sur le Congo, dès qu'ils se rendront compte que nous ne nous amusons pas avec les élections, petit à petit, ils se diront, ah non, la donne a changé, ces messieurs-là, on peut enfin les respecter. Ça dépend de vous, ça dépend de nous tous. N'est-ce pas, Modeste? Fait. Alors, encore les élections, il ne faudrait pas que nous nous fatiguions à parler de ces élections, mais aujourd'hui, si nous disons à tout le monde, parce que tout le monde est déjà presque parti vers ces élections, de faire un arrêt, concrètement, nous le ferions comment? Monsieur Labbé a proposé effectivement l'arbre à palabre. Dans quel contenu? Oui, c'est que on doit se dire que le front dont on parlait, le front national, évidemment ça sonne mal parce que dans certains pays, front national, mais c'est vraiment ça. Donc au niveau national, parce que nous sommes dans une sorte de guerre de libération. Si nous voulons nous libérer de ceux-là qui ont mis la main et qui ne veulent pas ôter cette main. On ne l'enlève pas. Eh bien, il faut suffisamment, d'intelligence pour d'abord choisir ceux qui vont porter cette lutte.
Parce que les élus au niveau national doivent être effectivement nos ambassadeurs à l'extérieur pour aller porter la parole, la nouvelle vision du Congo, la nouvelle, le Congo que nous avons décidé de construire. Eh bien, si on choisit n'importe qui, comme c'est le cas aujourd'hui, on n'arrivera jamais à gagner cette guerre-là contre ceux-là qui ont posé leurs mains de façon comme si c'était du béton, oui, qui ne veulent pas l'enlever. Nous n'arriverons jamais à le faire partir. La main restera toujours là. Donc, il faut considérer qu'il y a ces trois fronts, mais le front le plus difficile et le plus urgent, c'est celui-là. Celui qui nous permet de sortir de ce colonialisme économique, comme le pape l'a appelé. Et donc, cette pause qu'on demande devrait sortir des résolutions qui montrent comment on peut déjà faire en sorte que cette libération au niveau national soit effective. Oui, mais la pause, nous sommes au Congo, vous savez, vous faites une pause, dans certains pays, cette pause peut prendre quelque temps, hein. Mais ici, chez nous, comme c'est, chaque pause est une mangeoire, les gens vont vouloir s'éterniser dans cette pause, et puis le peuple ne s'en sortira pas. Moi, c'est ça que je voulais, que ce soit plus concret, vous qui êtes, qui présidez des conférences et de tout cela. Cette pause. Bien, nous avons eu une pause que je peux considérer comme telle, qui s'est appelée la Conférence nationale souveraine. Vous voyez le temps que ça a duré. Ben oui, d'accord. Mais moi, je ne considère pas le problème d'abord du temps. Je considère le problème des enjeux et le problème de l'organisation. Qui organise ? Qui a convoqué la conférence nationale souveraine ? Qui a contrôlé la conférence nationale souveraine ? Et pourquoi ça a duré tant ? Voilà des questions qu'on devrait se poser, c'est-à-dire une évaluation de ce temps-là que nous avons connu comme un temps de pause, un temps de palabre sous l'arbre, hein, la palabre, n'est-ce pas ? Eh bien, le problème, c'est que ça n'a pas été notre affaire, finalement. Ça n'a pas été notre affaire. C'était l'affaire de la troisième. C'était l'affaire des maîtres du monde. Quelque part, l'une des preuves tangibles, historiques, hein, de ce que j'affirme, c'est qu'au moment où les Aïrois ont décidé de prendre en main la conférence nationale souveraine et que dans la salle du Palais du Peuple, il y a des gens qui ont sorti des billets de banque, des chèques, en disant, eh bien, lorsqu'on nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent pour continuer, hein, la conférence, il y a de l'argent ici, c'est ma mise, et au grand marché, les mamans qui vendaient et les autres ont commencé à faire une cotisation. Les hôteliers ont dit, nous mettons nos hôtels gratuitement, n'est-ce pas, à la disposition des conférenciers pour qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent et on arrête la conférence. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là ? La CE, hein, la CE à l'époque, avant l'Union européenne, eh bien, a mis de l'argent. Les États-Unis, l'USAID a mis de l'argent, n'est-ce pas, pour étouffer l'élan d'un peuple qui veut se prendre en charge. Et donc, la guerre est là. La guerre est à ce niveau-là. N'est-ce pas, que lorsque nous décidons de nous prendre en charge, de prendre notre destin en main, nous aurons toujours en face de nous, voilà, l'ennemi qui ne voudra pas de cela. Et il faut que nous montions des stratégies telles que nous puissions aller vaincre cet ennemi. N'est-ce pas ? Vaincre cet ennemi. Et donc, la pause dont j'ai parlé, ça peut prendre la forme d'une rencontre. Appelez ça conférence nationale, appelez ça, je ne sais pas comment, un forum, n'est-ce pas ? Un forum limité dans le temps. Un forum décidé par nous et pas par les autres, n'est-ce pas ? Un forum duquel sortiront des résolutions, pas des recommandations, mais des résolutions. Parce que les recommandations, c'est souvent pour les autres. Et quand tout à l'heure, Modeste disait, il nous faut des dirigeants qui savent aller plaider pour nous à l'extérieur et parler pour nous à l'extérieur. Moi, je dirais, oui, c'est un aspect, mais ce n'est pas l'aspect le plus important. Le plus important, ce n'est pas qu'on aille plaider pour nous, qu'on aille dire à l'extérieur ce que nous avons comme rêve et ce que nous voulons. C'est de vivre cela et qu'ils voient que nous vivons autre chose.
À partir de ce moment-là, notre discours aura un impact. Parce que ce ne sera plus un discours en l'air. Ce sera un discours qui est basé sur un vécu. Un vécu qu'ils voient et qu'ils vont respecter. Et ils nous respecteront, non pas par notre discours, parce que nous dirons des choses. On en a dit, il y a eu des discours aux Nations Unies. Mobutu a fait un discours aux Nations Unies. Kabila a fait des discours aux Nations Unies. Tshisekedi fait des discours aux Nations Unies. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ces discours, ils les écoutent et puis ils se disent « causez toujours », n'est-ce pas? Mais le jour où nous, nous mettrons en pratique nos discours-là et qu'ils verront des effets, n'est-ce pas, de transformation de l'homme et de la société congolaise, ils auront peur. Parce qu'à ce moment-là, ils vont dire « ce ne sont plus des gens qui parlent seulement, mais ce sont des gens qui agissent. Ils chercheront à nous empêcher d'agir. » Ouais. Et de toute façon, comme nous, on continuera sur cette lancée, eh bien, ils viendront alors derrière pour essayer de partager avec nous, au lieu de prendre le tout. Voilà un peu modeste, Mouligaba, il nous reste... Je vous en donne une. Je dirais en une minute que, en fait, le monde aujourd'hui, oui, devient tellement interconnecté que ce que nous faisons à l'intérieur est suivi par l'extérieur. Absolument. Donc, ce que je suis en train de dire, ça, il ne s'agit pas de dire qu'on va commencer à sillonner le monde pour aller parler. Non, nous allons dire des choses ici qui vont être perçues comme, effectivement, une libération. Une prise de conscience. Une prise de conscience et une libération, parce qu'on va, concrétiser ces idées pour que le monde sache que le Congo d'hier n'est plus celui qui est là aujourd'hui. Et à ce moment-là, tout le monde va s'adapter à cette nouvelle donne et c'est là qu'on va commencer à nous respecter. Absolument. Monsieur l'abbé, vous avez une parole. La seule parole que je dirais dans le sens de ce que Modeste a dit, dans le sens de ce que vous avez dit, eh bien, nous voulons élire des leaders de libération et pas de leaders de gouvernement seulement. Ce dont le Congo aujourd'hui et l'Afrique a le plus besoin, ce sont des leaders de libération, à l'instar d'un Moïse qui, avec Aaron, ils ont fait équipe. Leaders de libération en équipe, collectif. Et ces leaders de libération ne sont pas nécessairement ceux qui vont devenir les leaders de gouvernement. Moïse n'est pas entré dans la terre promise pour être le premier président de la République d'Israël ou quoi. Et Gandhi, Mahatma Gandhi, n'a pas été le premier président de l'Inde pour l'Inde pour laquelle il s'est battu pour arracher l'indépendance des mains des Britanniques, n'est-ce pas? Luther, Martin Luther King, aux États-Unis, il n'a pas été le premier président noir aux États-Unis. C'est des années, bien des années plus tard, que son combat a donné un gars comme Obama, président des États-Unis. Et donc, ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas, ce sont des leaders de libération. Un gars comme Mandela, bien sûr, il a été président, mais après combien d'années de prison, n'est-ce pas? Et puis quand il a été président, il nous a donné une leçon en Afrique en disant, eh bien, j'ai assumé ce rôle pendant un temps. Je pardonne. Je pars. Je laisse les autres continuer. Il n'a pas brigué un deuxième mandat, Mandela, un Africain, n'est-ce pas? Comme Léopold Sédar Senghor, qui a aussi cédé. Ils ne sont pas nombreux en Afrique, mais ce sont des icônes que nous devrions présenter comme modèles à nos dirigeants politiques pour qu'ils se disent, nous devons être des leaders de libération et les leaders de gouvernement viendront avec aisance lorsque le pays sera réellement libre. Merci, monsieur l'abbé. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce ne sont pas des exemples qui manquent. Et si nous faisons attention, même dans notre communauté ici, se trouvent des gens qui, une fois au Parlement, vont essayer de changer des choses. C'est tout à fait possible. C'est lorsque nous nous montrerons exigeants en acceptant même de souffrir, que les gens nous diront « Ah, mais ces gens-là, c'est pas ce langage-là qu'il faut
il faut ôter la main et parler d'égal à égal avec eux. C'est ce que ce sont ces leaders-là qu'il nous faut à l'Assemblée nationale. J'espère que vous avez bien compris. Monsieur l'abbé, je vous remercie d'être venu participer une fois de plus à cette émission. Monsieur Bonigaba, je vous remercierai jamais assez. À vous, chers téléspectateurs, dites-nous vos idées. Nous avons oublié, non, une minute. Tiens, les réactions par rapport à l'émission dernière, rapidement, monsieur l'abbé. Ben, rapidement, il y a des gens qui nous ont dit que c'est ce genre de mission dont on a besoin, c'est-à-dire qui nous mène à l'essentiel. Et les gens de l'extérieur. De l'extérieur. Et j'ai même eu les félicitations de l'auteur du livre que nous avons présenté lors de la dernière émission, David Van der Herbroek, qui m'a écrit pour dire félicitations et merci. Et je lui ai dit, est-ce que tu serais prêt à venir, n'est-ce pas, toi-même au Congo pour que nous puissions débattre de cela et tu puisses donner des explications. Merci, monsieur l'abbé. Une réaction? Oui, très rapidement, les gens ont effectivement, ça arrive souvent, apprécié l'émission, la hauteur. Mais surtout, ils se sont posé la question de savoir comment nous allons gérer les cas de certains endroits du pays où ils sont en situation exceptionnelle ou la situation d'état d'urgence. Est-ce qu'on va quand même aller aux élections sans eux? Donc, c'est une préoccupation pour certains téléspectateurs. Je trouve qu'ils ont raison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette émission est terminée. Une minute... En plus que j'ai grignoté, j'espère que pour le contenu qui vous a été livré, ça valait la peine. Bonsoir, bonjour et dans 2 semaines.